Alors, l'histoire d'amour des feux tricolores de Dzoumogner. Je vous laisse tout de suite vous immerger. Bonjour les amis. Alors ici, je suis à Dzoumogner. À Dzoumogner, comme vous le voyez, on a un bloc de autonome qui est ici, les feux tricolores. Donc ici, il y a eu le pont qui a été fait. Hein. Quand le projet s'est finalisé, les feux, ils étaient en fonctionnement. Ils fonctionnaient très bien. Jusqu'à un moment, les feux ne fonctionnent plus. Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais câblage, si les mecs, ils ont fait du n'importe quoi sur le montage. Bon, je ne vais pas savoir. Donc, le détail, il est là, hein, sur ça. D'accord? Ça, déjà, c'est pas bon, hein, que ça soit sur la route. Hein. Déjà, la grille, hein. Celui qui va rentrer dedans, bon, c'est pas cool pour lui. Donc, ça déjà de 1, le gabarit, il rentre hein, sur la chaussée, on voit bien, tu es obligé de serrer un petit peu pour pouvoir passer. Alors, moi, j'aimerais savoir, hein, les questions que je me pose, hein, pourquoi on a fait un projet, un financement avec des feux tricolores qui sont très bien. Et que maintenant, ben, y a ça à la place, avec des moyens autonomes. Je ne comprends pas. Franchement, les amis, bon, faut pas chercher plus à comprendre, mais qui comprendra, verra. Bon, déjà, les routes, elles ne se font pas correctement, hein, les routes. Donc, on fait du rafistolage à chaque fois. Hein, on bouge des petits trous à droite à gauche. Voilà, on travaille pas correctement. On fout du sable sur la route. Rien ne va. Moi, je vous le dis, rien ne va. Non, il faut apprendre à être professionnel. Arrêter de créer des butées sur les routes. De favoriser la formation de trous sur les routes. Donc, tout ça, il faut prendre en compte. Voilà, c'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Hein ?